T'es bronzé? Tu reviens de vacances? Ouais, j'étais à Tel Aviv. Ah. Ah oui. Et tu faisais quoi là-bas? Moi, je suis sorti, je suis allé à la plage. Les vacances, quoi. Ouais. Et ça t'embête pas d'aller à la plage pendant quelques kilomètres de là, il y a des gens qui vivent entassés dans une prison à ciel ouvert? Non, non, mais alors par contre, effectivement, ça m'embête d'être à la plage et de me recevoir des roquettes sur la gueule. Oh, excusez-moi, monsieur, d'avoir dérangé vos vacances. Eh ben, tu sais quoi? On va se laisser bombarder sans rien dire. Comment ça, on? Ah, il y a une diaspora palestinienne en France. Ah, désolé, je savais pas. T'es déjà allé là-bas, au moins? Ça m'empêche pas d'être touchée quand je vois des enfants massacrés. Massacré, mais arrête, on a massacré personne. Et les photos des enfants tués en Irak ou en Syrie que vous balancez, c'est ce que c'est ça? C'est de la désinformation. Et les quatre gamins qui jouent au foot sur la plage, c'était de la désinformation? On essaye au maximum d'éviter les civils, on prévient, on fait évacuer. Mais alors évidemment, en France, on n'en parle pas, hein, des stratégies de bouclier humain. Et malheureusement, une bavure, ça arrive. Ah, ça fait 60 ans que vous faites des bavures. Mais attends, ça fait 60 ans qu'on se fait attaquer, il faut bien qu'on se défende. Vous trouvez pas que votre défense est un peu disproportionnée? Ah, parce que se faire attaquer par 13 pays arabes en même temps, c'est pas disproportionné. Non, je te parle de ce qui se passe maintenant. Ok, là, maintenant. Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Dis-moi, je sais pas. Un génocide? Un génocide, carrément? Ouais, ouais. Bah dis donc, pour un génocide de 60 ans, vous êtes encore vachement nombreux, hein. Tu crois vraiment qu'ils ont pas de quoi vivre? Des camions passent tous les jours à la frontière. Des médicaments, de la nourriture. Et quand vous bombardez une station de traitement des eaux, t'appelles ça comment, mais toi? Mais t'en veux de l'eau, tiens! Tiens, des roquettes! Des petites roquettes, c'est tout ce que vous méritez! Il est où, là, ton mur de la honte? Mon mur de la honte, comme tu dis, nous protège contre vos kamikazes! Ah, vous séparez les gens, c'est l'apartheid! Mais arrête, mais depuis la construction du mur, zéro attentat, ok? Zéro! Fini les restos et les bus qui explosent! Vous faites des murs, mais ça vous empêche pas de venir squatter chez eux et de chasser des familles entières de Palestiniens! On les a chassés de chez eux! Oui, parfaitement! Arrêtez votre politique coloniale! Retirez-vous de la Palestine! Votre politique quoi? Colonie, t'as très bien entendu! Alors déjà, on dit pas colonie, on dit territoire disputé! Eh ben déjà, on dit pas Israël, on dit Palestine! Terrorisme! Salut! Ouais, salut, ouais! Bonjour, Mehdi. Sarah.